Grâce aux filles de mémoire, j'ai chanté des animaux. Peut-être d'autres héros m'auraient acquis moins de gloire. Le loup, en langue des dieux, parle aux chiens. Dans mes ouvrages, les bêtes, à qui mieux mieux, y font divers personnages, les uns fous, les autres sages, de telle sorte pourtant que les fous vont l'emportant, la mesure en est plus pleine. Je mets aussi sur la scène des trompeurs, des scélérats, des tyrans et des ingrats, maintes imprudentes pécores, force sots, force flatteurs, je pourrais y joindre encore des légions de menteurs. Tout homme ment, dit le sage. S'il n'y mettait seulement que les gens du bas étage, on pourrait aucunement souffrir ce défaut aux hommes, mais que tous, tant que nous sommes, nous mentions, grands et petits, si quelque autre l'avait dit, je soutiendrais le contraire. Et même qui mentirait comme Ésope ou comme Homère, un vrai menteur ne serait. Le doux charme de mensonge, par leur bel art inventé, sous les habits du mensonge, nous offre la vérité. L'un et l'autre a fait un livre que je tiens digne de vivre sans fin, et plus s'il se peut, comme eux ne ment pas qui veut. Mais mentir comme sut faire un certain dépositaire, payé par son propre mot, est d'un méchant et d'un sot. Voici le fait, un trafiquant de Perse, chez son voisin, s'en allant en commerce, mit en dépôt un cent de fer. Un jour, mon fer, dit-il quand il fut de retour, votre fer, il n'est plus, j'ai regret de vous dire qu'un rat l'a mangé tout entier. J'en ai grondé mes gens, mais qu'y faire? Un grenier a toujours quelques trous. Le trafiquant admire un tel prodige et feint de le croire. Pourtant, au bout de quelques jours, il détourne l'enfant du perfide voisin, puis, à souper, convie le père, qui s'excuse et lui dit en pleurant: Dispensez-moi, je vous supplie, tout plaisir pour moi sont perdus, j'aimais un fils comme ma vie, je ne l'ai plus. Je n'ai que lui, hélas, on me l'a dérobé, plaignez mon infortune. Le marchand repartit. Hier au soir, sur la brune, un chat-huant s'en vint votre fils enlevé vers un vieux bâtiment, je le lui vis porter. Le père dit: Comment voulez-vous que je croie qu'un hibou pût jamais emporter cette proie? Mon fils en un moment eût pris le chat-huant. Je ne vous dirai point, reprit l'autre, comment, mais enfin je l'ai vu, vu de mes yeux, vous dis-je, et ne vois rien qui vous oblige d'en douter un moment après ce que je dis. Faut-il que vous trouviez étrange que les chats-huants d'un pays où le quintal de fer par un seul rat se mange, enlève un garçon pesant un demi-cent. L'autre vit où tendait cette fin d'aventure. Il rendit son fer au marchand, qui lui rendit sa géniture. Même dispute avint entre deux voyageurs. L'un d'eux était de ces conteurs qui n'ont jamais rien vu qu'avec un microscope. Tout est géant chez eux. Écoutez-les, l'Europe comme l'Afrique aura des monstres à foison. Celui-ci se croyait l'hyperbole permise. J'ai vu, dit-il, un chou plus grand qu'une maison. Et moi, dit l'autre, un pot aussi grand qu'une église. Le premier se moquant, l'autre lui dit tout doux, on le fit pour cuire le chou. L'homme au pot fut plaisant, l'homme au fer fut habile. Quand l'absurde est outré, on lui fait trop d'honneur de vouloir par raison combattre son erreur. Enchérir est plus court, sans s'échauffer la bile.